Ce poulet est actuellement en train de tuer ses confrères. Allez, venez. Le reste? C'est un acte inhumain. Ah, oh, mon Dieu! Non, le dernier survivant! Laisse-le! Ils sont tous morts. Bon, bref. Et salut tout le monde, c'est MassiCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wonder Cube, donc en compagnie de Jebura. Salut. Et attends, je vais monter mon son. Et aujourd'hui, donc déjà, on va vous présenter ce nouvel endroit qu'on a fait avec, avec Jabu. Donc en fait, ça va être le vrai spawn où on va tous faire nos maisons. Finalement, on a décidé de le changer d'endroit, de pas le mettre où on a commencé à faire des trucs, parce que finalement... on s'est dit que ici c'était mieux, qu'on avait déjà fait trop de choses là-bas qui étaient pas bien, qu'on avait fait un peu n'importe quoi. Donc là, avec Jebu, on a déjà commencé à faire un endroit. On a fait donc un giga portail, Jebu a fait la déco autour. Moi, je formais l'obsidienne parce que je sais qu'à ça. Non, je rigole. Et après, t'as fait pas mal de trucs aussi. On a fait donc cette plateforme qui descend. On a fait le contour en bois avec des petits... C'est Mathis qui a fait l'espèce de descente. Ouais, voilà. Et après, Jabu, surtout lui qui a fait le contour. Donc on a fait ça, ça nous fait déjà un bon petit spawn. On a un peu torché autour, donc on est dans une forêt. Par contre, je bug un peu. Ouais, ok, bon, bizarre. En ce moment, je bug pas mal, je sais pas pourquoi. Donc là, on a le beacon, et ici, Jabu a fait une usine à œufs. Donc qui lag beaucoup en ce moment, parce qu'il y a plein de poulets dedans, en fait. Et on vient de lancer la machine parce qu'elle buguait, du coup ça nous a fait pas mal bugger. Et c'est la nuit, du coup Jabu, je te propose qu'on aille faire ce qu'on voulait. Vas-y, go. Faut aller là-bas. Donc alors en fait ce qu'on veut faire dans cet épisode, c'est que bah déjà on voulait vous montrer ça. Et qu'en plus bah j'avais pas tellement d'idées de pour ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Enfin j'allais le faire tout seul, mais vu que Jabu était là, on l'a fait ensemble. Donc on va aller chez Sayoken. Oh, aussi, il y a un gast et je bug, attends. Voilà. Donc on est en 1.9 toujours. Et donc on va aller chez Sayoken qui est co en ce moment. Qui a 46 morts. Ouais, t'as vu mes barres de co ou pas? Ouais, toi. Attends. Hop. Plus, là. Ouais, je sais, ça fait exprès. Mais en fait, je bug parce que ma connexion câblée marche plus. Donc je suis avec le wifi et du coup ça, j'ai deux barres, donc c'est pas fou. Mais c'est pour ça que je bug. Après, après donc on va essayer d'aller chez Sayoken. Parce que il y a des chevaux squelettes qui ont spawné chez lui. Ouais, un peu. Donc il y a des chevaux squelettes chez lui, les nouveaux chevaux squelettes en 1.9. Et donc il en a trouvé et il nous a dit qu'il y en avait, qui spawnaient pendant la nuit chez lui. Du coup on va essayer d'aller en capturer avec Jabu. Hop. Donc le nether est toujours assez défoncé. Bon sauf moi vu que j'ai mon chemin maintenant, c'est cool. Attends, j'ai perdu mon stuff. Ah non c'est bon. C'est quoi déjà du mode? Replay mode il m'avait demandé. Replay mode. C'est sympa chez eux en tout cas. J'aime bien. Ouais. Ils ont fait une piscine et tout les mecs. Ah moi j'avais pas vu. Non j'avais pas vu. Bah, ah bah vous voyez donc déjà il y a un cheval squelette qui est ici. Et nous on va essayer d'en trouver d'autres. Donc ça risque bientôt de spawner normalement. Ah, c'est sympa, ils ont de l'idée en attendant. Ouais donc on vous montrera la base après la nuit. Par contre mec... ils ont plein de maps là. Je vois... Je sais pas comment on va s'organiser pour chercher. Il faut pas genre qu'il y ait de l'orage ou un truc comme ça. Ouais. Ah. Je crois. C'est bête parce qu'il n'y a pas d'orage. Je vais utiliser mon bouclier. Je crois que ça divise les dégâts par deux le bouclier. Donc je vais peut-être faire un accéléré, je sais pas, je verrai au montage. Le temps qu'on cherche tout ça. Ça se passera pas à mon avis en une seule nuit. Hein. Ça m'étonnerait qu'on en trouve direct. Une ellipse. Le temps qu'on trouve. Soit une ellipse, soit en accéléré, je verrai.
Et re tout le monde, on se retrouve, alors on est chez Jabu, donc ça, j'étais pas venu avant je crois, par contre, bon, j'ai un bug, bon bref, et Jabu va nous le présenter parce qu'on n'avait pas tellement vu, donc je te laisse nous montrer chez toi. Pont. Ouais, magnifique pont. Voilà, ici il y a une maison qui sert strictement à rien, mais c'est juste que j'avais envie de faire une maison. Ouais. Ensuite ici, il y a ma maison principale. Ouais. C'est plutôt joli. Ouais, c'est pas mal. Surtout la petite verdure en fait en dehors. Voilà, voilà. Ouais. Ensuite, ici un magnifique marché. Le truc c'est que tu vends rien dedans. Ouais, je sais. Par là, le petit chemin secret. Waouh. Qui mène à l'écurie. Waouh. Donc voilà. Du coup, on voulait vous montrer chez Jabu, puisque moi, je vous avais pas tellement montré. Donc ensuite, là, il y a un petit four automatique, hein. Magnifique. J'ai un pédé ouais, quand là. Tu dis ça. J'aime bien comment il vend son truc. Tu me suis, là? Ouais, attends, il y a juste un squelette qui m'attaque, en fait. T'as un cœur. Bon. T'es où? Tu peux me passer. T'as pas un truc? On sait rien. Oh, derrière toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, le contre du bouclier. Oh. Professionnel. Oh là, tu vois l'église? Ah, j'avais pas vu ça par contre, attends. Ouais, donc le moulin par contre, j'avais déjà montré. Ouais, l'église, elle est pas mal. Par contre, ils sont un peu géants les vitraux, mec. Hein. Ouais, je sais, mais c'est parce que le mec, en fait, il l'a fait en minuscule. Du coup, au final, ça faisait des vitraux comme ça, à l'intérieur. Bah ouais, mais les vitres, normalement il y a des gros murs en pierre, il y a des petits vitraux en haut. Ouais, mais t'as pas la place sinon de mettre les bancs et tout, enfin, c'est une chapelle. Non, regarde, en gros, tu mets que des murs et genre les trois blocs d'en haut, tu fais un genre de petit pou, tu fais des vitres, enfin ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Ici, là, il y a le reproducteur villageois. Ça, j'avais vu, mais attends, il y a un truc derrière que je sais pas vu. Ah, il y a un truc derrière, mais j'ai commencé à le faire, je l'ai pas fini encore. C'est quoi ça? Jeu, en fait. C'est un jeu. Ok. Genre là tu poses ton stuff, ensuite tu te mets là. Et l'autre il te balance des enclumes. Voilà. Mais par contre mec, vu la hauteur tu prends rien. Et il y a un grand espace donc ouais. Même du 3x3 c'est même trop peut-être. Oh mon frère. Voilà, bon là il y a des villageois. Et là-bas viens. Where are you? Ah ok ouais. Ah t'as bien avancé hein. Bon, moi je dois y aller. Salut. Ok, salut. Allez, ciao. Ciao. Ici. Ici, c'est quoi ça? Modificateur, yep. Netherwart. Ah, oh. Que de la vitesse 2. Allez, viens. Attends, j'en prends une. Ah, c'est marrant. Bon, voilà. Ouais, c'est pas mal. Tiens, mon petit villageois. C'est le mec qui est là en mode... Hey, les gars, venez. Et là, attends, ça j'ai pas vu. Ah, carrément. Monsieur fait des passages secrets. Tourne-toi. Non, va derrière, ça tu vas mettre en F. Ouais, t'es vraiment trop intelligent, j'étais en train de faire ça en plus. Vas-y, voilà. Tu regardes pas. Hein. Non t'inquiète, j'ai pas regardé, mais attends, c'est à quel endroit? C'était là. Vas-y, c'est bon, tu peux rentrer dans l'église. Dans l'église? Ouais, dans l'église. Il y a un levier là, c'est pas très flag. Hein. On voit le pro en redstone. Ouais. Ah, il y a un levier là. Oh, je suis sûr que t'as galéré pour faire ça. Ouais, j'ai galéré. Ah. Est-ce que t'as fait un trieur automatique? Oh là non, quand même pas. T'es nul, hein, je rigole. C'est juste des petits... Des petits coffres. Des petits coffres. Tu verras, au bout d'un moment, tu vas plus avoir de place. Genre moi, dans ma salle des coffres, genre, les coffres à cobble, mec, je crois que j'ai plus de 9 doubles de chest remplis de cobble. Ouais, mais j'ai pas encore tout trié, donc. Pourquoi tu mets des fours si t'as un four automatique, un autre endroit? Je sais pas, au cas où, si je dois faire un truc, plus ça faisait joli, en fait. Ok. Ouais, bah c'est cool. Et c'est tout ce qu'il y a? Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, par contre, mais pour sortir... Ah ouais, t'as pas pu mettre d'escalier puisque tu sais pas faire. Non, je peux pas faire. Je t'apprendrai. Non, je le ferai peut-être si tu veux.
Donc, vu que ça va être bientôt la nuit, on va aller chez Sayoken si t'as le temps ou si t'as pas le temps. Ah, vas-y. What the fuck, mon underpass s'est jeté bizarrement. Enfin, bah, avant, je vais juste... Enfin, viens, vu qu'on a le temps, je pense qu'on peut aller au vrai spawn pour aller se régénérer un peu, non? Vu que toi, t'as 2 HP. Ouais. Donc du coup on va vous faire une ellipse et on se retrouvera dans la plaine que nous a indiqué Sayoken pour aller chercher des chevaux squelettes. Allez, à toutes. Quelque chose là, je suis un peu pris au dépourvu. Mince, non. Ah, je pense que je vais crever là. Ouais, je vais mourir. Je sais pas comment je vais faire. Je risque sûrement de mourir, j'ai plus de vie. Ok, il y a un squelette qui est mort. Du coup, le cheval est encore vivant. On a un autre squelette par contre qui risque sûrement de nous buter. Oh! Ok, les gars, on a le Graal. Plein de chevaux squelettes. Par contre, il nous reste un squelette à buter. Ça risque d'être assez chaud. Ok, je crois que c'est bon. Oh, 4 chevaux squelettes. Oh my god. Ok les gars, on va pouvoir se faire une belle petite fortune avec ça. Alors je suis désolé, je suis un peu pris au dépourvu. Parce qu'à la base, j'étais en train de chercher. Et j'avais plus du tout de vie. Donc là, il me reste un demi-cœur. Alors, je vais faire F3. On va prendre un screen. Hop, j'enlève F3. Je vais enfermer tous les chevaux ici, je vais en ramener un chez moi une fois qu'il fera jour parce que j'ai pas envie de me faire buter en fait. Donc hop. Parce que d'accord j'ai un bon stuff mais bon. J'étais déjà à 2 cœurs. Et ça fait pas du bien quoi. De rester à 2 cœurs. Ok, donc ce qui est cool c'est que en fait, j'étais en train de chercher. Et lorsque soudain, j'entends des éclairs en fait. Donc. Je suis allé chez Sayoken, vite fait. Ensuite, oh, il a looté un arc en plus. Frappe 1 puissance 2, pas mal. C'est pour ça que j'ai pris assez cher quand même. Enfin, j'ai pris un demi-cœur, quoi. Donc, alors en fait, il faisait pas beau. Alors je suis allé chez Sayoken,
Il commence à faire nuit en plus. Là, donc j'écoute les éclairs. J'entends plein d'éclairs. Et genre, en fait, je cherchais où tombaient les éclairs et j'en voyais aucun où ils tombaient. Donc je tournais autour comme ça. Et d'un coup, je vois un éclair, ça tombe. Je vais voir, il n'y a rien. Je vais voir un éclair là. Et il y avait des choses squelettes. Donc je vous explique qu'il y avait normalement des squelettes dessus. Sur ce cheval, il y en avait un. Sur celui-là là-bas aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils sont mis sous des blocs. Et les squelettes, ils ont suffoqué. Je pensais que c'était chevaux qui suffoquaient, donc j'ai eu un peu peur. Mais en fait, non. Du coup, on a 4 chevaux squelettes. Vu qu'on en a 4, bah ça permet, je pense, on va s'en garder 2. Et on va sûrement en vendre. Donc on va se faire. Déjà bah, beaucoup de fric je pense. Un cheval squelette c'est super rare. Alors on va sortir en faisant très gaffe. Ah mince. De what the fuck. Attendez. Je bug. En fait je bug beaucoup parce que j'ai toujours mon problème de connexion. Donc je bug pas mal. Alors on va faire très attention de surtout pas suffoquer dans un mur. Parce que bah, ça va être fatal, on a un demi-cœur. Donc on risque sûrement de mourir. Donc vous savez quoi, j'ai un peu peur de les laisser là en fait. Bon, on va tenter d'en ramener un. Hop. Si on monte par là, il devrait pas trop y avoir de soucis. J'espère pas en tout cas. Donc on va se mettre sur un cheval. On va faire très attention à nos manœuvres. Ok. On sort, alors on va se mettre. Ah, il n'y a rien au-dessus de moi, ok, je vais pas suffoquer. Hop. On referme ici. Et on se retrouvera sûrement donc plus tard chez moi avec tous les chevaux. Donc on se retrouve, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc on se retrouve à la maison. Alors, il s'est passé bah, pas mal de choses. Déjà depuis la dernière fois. Alors il faut savoir, je sais pas si je l'ai dit, mais je comptais vous mettre les moments où je cherchais les chevaux squelettes pendant que je parlais, normal, mais finalement je les ai mis en accéléré parce que ça prenait trop de temps. J'ai l'impression que mon son est bas, mais en fait non. C'est bizarre. Bon, bref. Et finalement j'ai fait des accélérés parce que c'était beaucoup mieux. Et au final, donc j'ai réussi à ramener les chevaux à la maison. Le seul problème c'est que j'en ai plus que 2. Parce qu'en fait avec la collision qu'il y a maintenant à 1.9, quand je suis sorti déjà avec le premier cheval de chez Sayoken de son portail, dans le Nether il a suffoqué. En fait je l'ai tapé dans le portail. Une fois que je l'ai tapé dans le portail, donc je suis rentré dans le portail. Et au moment où ça me mettait téléchargement du terrain, et bah vu que j'ai spawné, et bah ça poussait mon cheval. Et ça l'a poussé en fait dans l'obsidienne du portail. Et même derrière moi, vu que derrière moi il y avait de la netherrack. Donc qui était juste derrière le portail. Et du coup bah les chevaux sont morts. Enfin le premier cheval est mort comme ça. Le deuxième cheval, bah j'ai dégagé autour. J'ai bien dégagé autour, donc je l'ai ramené jusqu'à la maison. Le troisième cheval, bah, en fait, il s'est passé encore le bug, sauf que là, il était en train de suffoquer dans l'obsidienne du premier portail, donc j'ai réussi à le sauver. Il lui restait genre 2 cœurs. Et je l'ai ramené chez moi, et là, bah, pas de chance, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis tapé dans le portail. Donc d'ici, je l'ai ramené jusqu'ici, je me suis tapé dans le portail, et il y avait rien. Mais vraiment rien, du coup, je me suis retapé dans le nether, il y avait la selle. Donc du coup bah, il était mort quoi. Donc voilà, ça faisait 2 chevaux morts et le dernier cheval j'ai bien pu le ramener. Donc déjà on a gardé un cheval qui est un peu nul. Attendez, c'est pas lui, il est bien lui. Hop, donc déjà on a gardé un cheval qui est un peu nul. Donc c'est juste un cheval squelette. Déjà il a pas énormément de vie. En plus il va pas très vite, regardez. Je sais pas si en 1.9 ça a été réduit la vitesse des chevaux, donc je sais plus trop comment c'est maintenant, mais déjà pour moi je trouve il va vraiment pas très vite, même à pied limite. Attendez. À pied je vais aussi vite que lui, même plus vite que lui, et en sautant encore plus vite. En même temps là j'ai de la vitesse 2, mais bon.
Donc il va quand même plus vite qu'à pied, mais bon, il va pas très vite. Il a pas beaucoup de vie et il saute même pas deux blocs de hauteur, regardez. Hop, donc là. Voilà, vous voyez, il saute pas deux blocs de hauteur. Celui-là, alors déjà, il a énormément de vie. Je sais pas combien c'est le maximum, mais il a 26 points de vie. Donc ça fait beaucoup. c'est énorme. En plus, il va très très vite. Il va même je dirais même plus vite que moi, alors que j'avais de la vitesse 2. Il saute, je pense, je sais pas combien il saute. Mais en tout cas, celui-là est très bien. Et je sais pas si on peut reproduire des chevaux squelettes. Mais si on peut les reproduire, j'ai moyen de faire un cheval encore mieux. Et donc, ce que je voulais voir, c'était combien il sautait. Donc, on va le prendre. On va mettre 2. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il saute de hauteur, vous voyez. Hop, et on va mettre 2,5. Il saute 2,5 de hauteur. Voilà. Et est-ce qu'il saute 3 quand même? Ça m'étonnerait. Attendez. Non, il saute 2,5 de hauteur. Donc c'est pas mal, franchement. Je pensais qu'il sautait juste 2, mais 2,5, donc c'est cool. On va le remettre dans son enclos. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon, vous voyez, on a quand même des beaux chevaux. Et vu que là, de toute façon, l'épisode là, j'ai fait le montage du reste avant. Donc le montage du début de l'épisode est déjà fait. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc là, du coup, on en est normalement à 22-25 minutes. Non, 22-23 minutes, je pense. Donc voilà, on va s'arrêter là. Donc j'espère que cet épisode de recherche de chevaux vous aura plu et que les nouvelles modifications qu'on a fait au nouveau spawn vous ont plu. On va donc aménager ce nouveau spawn au fur et à mesure. Moi je vais construire ma maison dedans un peu plus tard, faut juste que je trouve le design. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Et donc juste avant de quitter, je voulais juste repréciser quelque chose parce que je viens d'y penser en fait. Donc apparemment Aurélien Sama va faire une vidéo de comment update un pack en 1.9. Donc ça pourrait m'être vraiment vraiment très utile pour faire mon pack. Du coup j'attends de voir s'il la sort. Et s'il la sort pas, bah, du coup je continuerai. En attendant j'attends. Voilà, après aussi les boucliers, c'est un peu gênant en fait. Bon, ça je vais pas en parler pendant très longtemps, mais il est toujours un peu dans le coin de notre écran et il gâche pas mal la vue. Donc je vais essayer de voir si jamais je peux pas le dans mon prochain pack 1.9 de le rabaisser un peu pour qu'on le voit un peu moins. Ça gâcherait moins la vue, ce serait pas mal pour PVP. Bref, voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire et j'avais autre chose à vous dire. Donc cet épisode que vous voyez, je le tourne le jour même de sa sortie, donc c'est cool, on a réussi à rattraper bah, l'avance qu'on avait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais pas refaire le blabla parce que je l'ai déjà fait habituel à la fin de chaque épisode. Donc j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.